Avec sa vaste gamme d'écosystèmes, ses terres fertiles et son potentiel de production d'énergie renouvelable tout au long de l'année, pour alimenter la productivité agricole et accélérer l'industrialisation, l'Afrique est un continent d'opportunités. Cependant, en raison de la convergence des crises multiples qui se renforcent mutuellement au niveau mondial et continental, y compris la pandémie du COVID-19, les chocs climatiques et le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui ont aggravé les vulnérabilités structurelles du continent, les systèmes alimentaires en Afrique sont à un point de rupture. A wake-up call for all of us is the fact that there are many people that can't afford a good diet to feed their children. Yet we know that's where everything begins. Ces crises ont affaibli nos systèmes alimentaires, entraînant l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la pauvreté, la marginalisation des femmes, le chômage des jeunes, l'immigration, l'instabilité politique et la fragilité. Pour y remédier, nous pouvons et devons produire localement des denrées alimentaires plus abordables et de meilleure qualité. Il est temps pour l'Afrique de repenser et agir d'urgence sur la transformation de ses systèmes alimentaires. Le Forum africain sur les systèmes alimentaires est de retour du 4 au 8 septembre 2023 à Dar es Salaam, en Tanzanie, sous la direction de Son Excellence Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, et du groupe des partenaires du Forum sur les systèmes alimentaires en Afrique. Le forum de cette année appelle à une action urgente pour créer des systèmes alimentaires inclusifs, plus sains et durables, qui accéléreront la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique d'ici 2030. C'est un appel à toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour reconstruire de meilleurs systèmes alimentaires avec les jeunes et les femmes au centre. Collective investment through public-private partnership are pivotal to unlocking the food, fuel and fertilizer crisis in the continent. These investments are also crucial for reversing the effects of climate change in our continent. Sous le thème Récupérer, régénérer, agir, les solutions africaines à la transformation des systèmes alimentaires. Le forum est un appel à mettre en œuvre des stratégies et des actions décisives pour aider le continent à se redresser et à reconstruire ses systèmes alimentaires. Adopter des pratiques durables qui soutiennent la santé des sols, réduisent l'érosion des sols et favorisent la biodiversité. Prendre des mesures urgentes pour relever les défis des systèmes alimentaires, tels que le changement climatique, le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire. Le Forum africain sur les systèmes alimentaires 2023 vise à faire le point sur les progrès accomplis dans la transformation des systèmes alimentaires à travers le continent. Renouveler l'engagement politique de renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la transformation des systèmes alimentaires résistants au climat en Afrique. Discuter, définir et adopter des engagements politiques sur les voies de développement et les investissements dans la production alimentaire, les marchés et le commerce pour assurer la transformation des systèmes alimentaires. Mobiliser des instruments de financement, tels que des fonds catalytiques, afin de débloquer davantage de ressources de partenaires publics-privés et de développement pour investir dans des entreprises agroalimentaires dirigées par des jeunes et des femmes. Rejoignez-nous du 4 au 8 septembre 2023 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Nous nous réunirons et concevrons des actions pour aider le continent à se rétablir, à se régénérer et à agir en faveur d'un système alimentaire durable, équitable et résilient pour une Afrique prospère.